l'homme ou de la femme avec qui on doit se marier. Amen. Amen. Quels sont ces critères? Bien-aimés, que nous, en tant que chrétiens, nous devons tenir compte avant que nous puissions mariés. Amen. Amen. Alors, je vais prendre la Bible. Genèse chapitre 2. Les versets 18. Les critères et les profits de l'homme ou de la femme avec qui on doit se marier. La Bible dit, Genèse 2, 18 à 25, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant porte les noms que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma la femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Amen. 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 Vous pouvez s'asseoir. Merci, Saint-Esprit. Alors, nous sommes en train de parler des choses qui sont très profondes et qui sont très importantes pour votre vie et qui peuvent sécuriser votre destinée. Sur les profils et les critères de la femme ou de l'homme avec qui tu dois te marier. Parce qu'une chose qui est sûre, mon frère, ma soeur, amen, tout homme sous la terre ne doit pas être ton mari. Amen. Et toute femme sous la terre ne doit pas être ta femme. La Bible nous dit que Dieu a tout créé. Il a créé l'homme. Il a créé l'homme. Et quand il voit l'homme, il voit que l'homme n'est pas complet. Parce que tout homme qui n'est pas une femme, c'est un homme qui n'est pas complet. Amen. Amen. C'est pourquoi j'encourage les frères à se marier. Amen. Amen. À se marier. Sinon, tu seras incomplet. Marqué que Dieu a donné l'autorité à l'homme. C'est l'homme qui a donné les noms de tous les animaux, de tous les oiseaux, de tous les bétails. Mais Dieu a remarqué que l'homme était incomplet. Parce que Dieu connaissait les besoins de l'homme. Ma sœur, mon frère, ton besoin, tu le connais. Amen. 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 Ton besoin le plus profond, ce que tu veux que Dieu accomplisse dans ta vie, Dieu le connaît. Amen. La Bible dit, ils sont le cœur, ils sont là. Amen. Alors Dieu connaissait les besoins de l'homme. C'est pourquoi il a pris l'homme. Il a endormi l'homme. Et en endormant l'homme, il prend une côte. Donc le premier sujet dans le monde, c'est Dieu. Sans anesthésie. Amen. 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 Il a pris la côte. Il a formé la femme. Et quand la femme était créée, et l'homme s'est réveillé, quand l'homme a vu la femme, il s'est dit, cette fois,
c'est l'os de mes os et la chair de ma chair. On l'appellera femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Et c'est ça qu'on appelle mariage. Tu ne peux pas être marié, ma soeur, être lié encore à un autre mari. Mon frère, tu ne peux pas être marié, être lié encore à une autre femme. Pour qu'il y ait mariage, l'homme et la femme doivent quitter. Amen. Amen. Tu ne peux pas être marié, être lié encore à tes parents. Parce que beaucoup des hommes qui sont comme ça, et surtout les femmes, ils sont dans un mariage. Ils sont liés avec leurs parents. Moi, le problème, ma mère a dit. Amen. Amen. Un couple, frères et sœurs, ni l'homme ni la femme n'a quitté. C'est un couple qui ne marchera jamais. Amen. Jamais. Et non pas simplement, il y a des frères et sœurs qui sont comme ça. Il y a aussi des parents qui sont comme ça. Qui possèdent des couples de leur fils ou de leur fille. Alléluia. Amen. Il a possédé son mari, surtout les femmes qui sont comme ça. Les belles-mères. Il a possédé son mari, il veut posséder le mari de sa fille aussi. Amen. Pour qu'il y ait mariage, il faut que l'homme quitte. Il faut que la femme quitte. Amen. Quand les deux vont quitter, c'est ce moment-là qu'ils deviennent une seule chair. Amen. 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 Voilà pourquoi, bien aimé, les mariages. Aujourd'hui, les gens jouent avec les mariages. Les gens jouent avec les mariages. Et j'ai compris avec les temps pourquoi les gens jouent avec les mariages. Parce que la plupart des temps, des gens ne savent pas c'est quoi les mariages et ne savent pas pourquoi ils se marient. Si bien aimé, certaines personnes savaient c'est quoi les mariages, le but pour lequel Dieu a créé le mariage, pourquoi ils veulent se marier, ils pourront s'asseoir dans ce moment réfléchi. Amen. 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 Parce que le mariage en cache ta destinée. Amen. 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 Tomber si une mauvaise femme ou si un mauvais mari peut briser ton avenir. Amen. 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 Que Dieu nous fasse grâce. Les gens ne savent pas pourquoi se marient. Nous voyons ce qui se passe le jour du mariage. Mais ce qui se passe le jour du mariage n'est pas les mariages. Amen. Alléluia. Amen. Le mariage se passe à la maison. Si vous voulez faire très attention, ma soeur, on fait pour se marier. Les gens sont, c'est pressé pour entrer le mariage. Ils cherchent à contacter le mariage. Mais ce que les gens ne savent pas, que c'est facile d'entrer dans le mariage, mais c'est difficile d'en sortir. Amen. Beaucoup sont là-dedans, cherchent comment s'en sortir, ils n'arrivent pas. Parce que le mariage, bien aimé, n'est pas un accident. Le mariage n'a été une imagination humaine. C'est la volonté de Dieu. C'est pourquoi partout où le mariage existe, le mariage est célébré. Amen. Parce que ça vient de Dieu. Le mariage n'est pas un accident. Alléluia. Amen. C'est pour cela qu'on dit la fois passée. Ma soeur, mon frère, avant de se marier, il faut prier. Amen. Amen. Il faut vraiment prier. Parce que ta destinée est engagée. Avant de se marier, il faut s'asseoir pour savoir avec qui on doit se marier. Amen. Amen. Ma soeur, mon frère, ne prenez pas le mariage à la légère. Amen. Vous qui êtes célibataire, comme vous qui êtes marié, ne prenez jamais le mariage à la légère. Parce que le mariage, c'est une alliance entre deux personnes. Amen. Amen. Et une alliance, c'est un accord. Une alliance, c'est un contrat. Et vous ne devez pas bien aimer faire un contrat avec n'importe qui. Vous ne devez pas entrer dans une alliance avec n'importe qui. Parce que tu vas engager la destinée. Beaucoup de gens se précipitent dans le mariage. Parce qu'ils ne savent pas c'est quoi le mariage. L'ignorance tue. Amen. Vous devez poser la question. Vous qui êtes mariés. Pourquoi vous avez voulu se marier? Et vous qui êtes célibataire, pourquoi vous voulez vous marier? On ne se marie pas parce que tout le monde se marie. Amen.
Alléluia. Amen. On se marie pas parce que c'est un plaisir. Si vous ne savez pas, bien aimé, les raisons pour lesquelles vous vous mariez, vous n'allez pas jouer du mariage. Or, le mariage est bon. Amen. Alléluia. Amen. D'ailleurs, frères et sœurs, Dieu n'a jamais créé quelque chose de mauvais. Amen. Tout ce qui est mauvais ne vient pas de Dieu. Amen. Je vais utiliser le mal, mais le mal ne vient pas de nous. Le mariage est bon. Parce que simplement, les gens s'engagent dans le mariage. D'abord, sans connaître Dieu. Et la plupart des gens se sont mariés sans vraiment connaître Dieu. Vous ne pouvez pas rester dans une affaire où Dieu est l'architecte. Si c'est Dieu-là, tu ne connais pas. Amen. Tu ne resteras pas. Amen. Il faut d'abord connaître ce Dieu-là pour connaître ce que lui a créé. Amen. Mais beaucoup sont entrés mariés sans savoir qui est Dieu. Mes frères et sœurs, le mariage est une question de cœur. Amen. Et non une question de corps. Les mariages, c'est une rencontre de cœur. Et non pas une rencontre de corps. C'est pour ça qu'on va se marier. Prenez le temps de s'asseoir. Amen. Alléluia. Amen. Les gens sont étalés. Quand ils trouvent une femme, ils trouvent un homme. Ils sont étalés. Même les conseils, à ce moment-là, ils n'écoutent plus. Amen. C'est pourquoi moi, quand je vais prêcher un mariage, je ne prêche pas les couples qui sont là. Ils ne t'écouteront pas. Ils sont ailleurs. Ils finissent vite. On va faire des photos. On va faire la fête. Et puis, nuit de noces. Quand tu prêches, ils ne sont pas là. C'est pourquoi j'aime prêcher aux couples qui veulent se marier avant le mariage. Là, ils peuvent t'écouter. Mais le jour de la fête, la femme en robe blanche, l'homme en costume, ils ne t'écouteront pas. Tu peux dire ça quand tu veux. Amen. Amen. Malheureusement, beaucoup de chrétiens sont comme ça aussi. Nous devons s'asseoir, se poser des questions, analyser, prier pour savoir avec qui je m'engage dans ma vie. Amen. Amen. C'est pas parce qu'un homme te plaît, mais on a rencontré beaucoup de femmes qui nous ont plu et des hommes qui nous ont plu, mais c'est pas parce qu'un homme te plaît qu'il met ton cœur. Mais notre cœur est fragile. Amen. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé, il y a des dieux qui veut guérir le cœur. Vous devez faire très attention. Ce n'est pas parce que quelqu'un attire ton attention. Parce que c'est pas parce que cet homme-là est beau, la femme est belle. Tu dois lui donner ton cœur. C'est une personne qui risque de briser ton cœur. Aujourd'hui, beaucoup de gens vivent avec le cœur brisé. C'est pourquoi Jésus, dans sa sagesse, il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a envoyé pour guérir le cœur brisé. Beaucoup de gens, aujourd'hui, qui sont brisés. Et dans ces cas, vous avez besoin de Jésus. Ne jouez pas avec le mariage. Vous voyez une femme, et vous voulez l'épouser. Vous voyez un homme, il veut l'épouser. Et vous dites oui. Mais il faut s'asseoir. Je vous ai posé la question. Alléluia. Amen. Parce que pour qu'un mariage marche, il faut que les deux personnes, l'homme et la femme, s'engagent à faire marcher le mariage. Alléluia. Amen. Il y a certains mariages aujourd'hui, ça tient qu'à l'homme ou ça tient qu'à la femme. Amen. Mais pour qu'un mariage marche, il faut que l'homme et la femme s'engagent à faire fonctionner le mariage. Parce que si le mariage est sombre, ma soeur, mon frère, ce n'est pas mon souhait, mais si ton mariage est sombre, cela peut hypothéquer ta destinée. Et ça peut t'empêcher à entrer dans le plan parfait de Dieu pour ta vie. Amen. Amen. Regardez autour de vous. Bien aimé, très peu de gens se relèvent après un divorce. Beaucoup de destinées ont été brisées à cause des divorces. Si tu penses au divorce, mon frère, ma soeur, toi qui es marié, je te déconseille. Tu penses au divorce, mais tu ne connais pas les conséquences du divorce. Je te déconseille. Priez Dieu. Dieu peut réparer ton foyer. Amen. Alléluia. Amen. Il est possible que Dieu répare le foyer. Amen. Mais si tu as pris une décision, je dois divorcer. Je dois divorcer. Parce que tu ne connais pas les conséquences du divorce. Il y a des gens qui sont morts suite à un divorce. Amen. Amen. Voilà pourquoi on doit faire très attention. Quand nous voulons nous marier,
l'homme ou la femme qui court derrière toi. Fais très attention. Comme je disais, il faut passer. Le mariage n'est pas un bus de banlieue. Où tu montes, comme tu descends. Non, bien, mais c'est pas ça le mariage. Quand tu entres, tu dois y rester. Tu dois rester dans le mariage. Amen. Amen. Tu n'entres pas et tu ne descends pas quand tu veux. Bien, mais le mariage, c'est sérieux. Amen. Alléluia, c'est sérieux. Amen. Tu ne vas pas entrer et sortir quand tu veux. Parce qu'une fois, tu es embarqué dans le véhicule du mariage, la descente est interdite. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne descends pas. Et quel que soit le problème, c'est pourquoi, frères et sœurs, avant de t'engager, il faut réfléchir. Amen. 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 Moi, je n'amènerai jamais un couple au divorce. Jamais un couple au divorce. Amen. J'ai toujours dit aux gens qui sont mariés, si vous voulez divorcer, c'est votre responsabilité. Amen. Ce que Dieu a uni, il n'appartient à personne de le séparer. Amen. 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 Et comme je dis, bien aimé, le mariage est une alliance. On ne brise pas une alliance sans conséquence. Bien aimé, tu ne peux pas briser la loi de Dieu. Amen. Ce que Dieu a établi, écoutez-moi ce matin. Ce que Dieu a placé, toi tu sais, tu le brises, certainement tu feras la conséquence. On ne brise pas la loi de Dieu. C'est pour cela, quand tu es célibataire et tu es marié, prends ton temps et réfléchis pour savoir dans quelle affaire tu es en train de t'embarquer. Amen. C'est très important de savoir. On ne se marie pas, bien aimé, pour avoir des enfants. On ne se marie pas pour avoir des rapports intimes. On ne se marie pas parce que j'ai 30 ans. Voilà pourquoi vous remarquez aujourd'hui, dans le monde comme les églises, les jeunes filles sont en train de se brader. Alléluia. N'importe qui est bon. N'importe qui est bon. Il suffit qu'on puisse attendre que je suis marié. Mais le problème, c'est que tu vis dans le mariage. Ça, on ne va pas entendre. Les gens font n'importe quoi. Beaucoup de gens bien-aimés souffrent. Cet enseignement par la grâce de Dieu, je vais épargner votre destinée. Amen. Beaucoup de gens souffrent dans leur mariage. Parce qu'ils ont fait leur choix selon les critères qui ne sont pas définis dans la parole de Dieu. Or, comme le mariage est établi par Dieu, les critères qui doivent t'amener à choisir une femme doivent être des critères qui sont définis dans la parole de Dieu. Parce que personne dans sa vie ne peut rester dans un mariage sans la parole de Dieu. Quelqu'un me dit amen. Si vous voulez vous marier et vivre votre vie mariage selon vos traditions, selon vos coutumes, certainement ce mariage ne marchera pas. Amen. Amen. Dieu est bon. Amen. Quand il a créé le mariage, il a donné à l'homme ses devoirs. Il a donné aussi à la femme ses devoirs. Lorsque dans un mariage, l'homme fait ses devoirs et la femme s'applique à faire ses devoirs, ce mariage doit fonctionner. Il doit marcher. Amen. Et nous avons vu les critères pour les hommes. Les frères, les soeurs, que Dieu vous bénisse. Ma soeur, on ne prend pas n'importe qui. N'importe quel homme vient, tu ne prends pas. Il y a des critères à savoir. Si cet homme-là doit être un jour ton mari. Et nous avons vu, à partir du mois passé, les critères pour les hommes. Amen. Amen. Mes frères, Dieu est en train de vous sauver. Les premiers critères, si tu veux te marier, mon frère, les premiers critères, il faut choisir une femme soumise. Amen. 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 La Bible dit dans Éphésiens chapitre 5, versets 22 à 24. Femme, soyez soumise à ton mari comme au Seigneur. Amen. Parce que l'homme est le chef de la femme. Si tu veux choisir une femme, alléluia, amen, il faut que la femme soit soumise. Et c'est essentiel, frères et sœurs, mes frères, écoutez-moi, dans les choix d'une femme. Le choix d'une femme est essentiel pour la vie de l'homme. Parce qu'une femme, bien aimé, tu trouves une femme. Alléluia. Amen. Elle va t'aider à accomplir
Le mandat divin que Dieu t'a donné. Le choix d'une femme est très essentiel. Parce que, comme je l'ai mangé passé, tu trouves une femme, une bonne femme, cette femme peut t'aider. Accélérer ta destinée. Amen. 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 La Bible dit deux valent mieux qu'un. Amen. Il y a des choses, mon frère, tu pourras accomplir seul. Il y a des choses que tu ne pourras pas accomplir quand tu es seul. Amen. Il te faut une femme. Amen. Le choix d'une femme est très essentiel. Très essentiel. Parce que lorsqu'il trouve une femme, cette femme-là, soit peut t'aider à accélérer ta destinée, soit cette femme-là peut retarder ta destinée. Amen. Alléluia. Amen. Elle peut retarder ta destinée. Et pire encore, c'est une femme qui peut contribuer à te faire passer à côté de ta destinée. C'est pour cela, la beauté physique n'est pas toujours l'essentiel. Amen. Dans les choix d'une femme. Parce que c'est essentiel. Ton avenir peut être brisé. Ta destinée peut être brisée. Simplement parce qu'il t'est tombé sur une mauvaise femme. Si les gens ne connaissent pas la parole de Dieu, les gens ne connaissent pas les critères pour choisir une femme, les gens vont souffrir. Et beaucoup souffrent aujourd'hui. Amen. Amen. Pourquoi le choix est essentiel? Dans le choix d'une femme. Parce que la femme que tu choisis aujourd'hui, demain, ça sera la mère de tes enfants. Alléluia. Amen. La mère de tes enfants. Et ce n'est pas n'importe quelle femme qui doit devenir la mère de tes enfants. Le choix d'une femme est essentiel. Parce que cette femme-là, demain, elle sera ton partenaire dans la vie. Quelqu'un avec qui vous allez partager la vie. Le choix doit être essentiel. Le choix d'une femme est essentiel. Parce que cette femme-là, demain, elle peut être l'ancêtre de toute une lignée dans ta famille. Alléluia. Amen. C'est pour cela, bien aimé, comme je l'ai fait passer, on ne choisit pas une femme par prophétie. Amen. Évitez les prophéties. Lisez la Bible. Dieu a endormi Adam. Il a pris une côte. Il a créé une femme. Quand Adam s'est réveillé, il a vu une femme. Dieu n'a pas prophétisé sur Adam. Amen. Amen. Bien aimé, que personne ne te trompe. Qu'aucun prophète ne te trompe. Dieu m'a dit, cette soeur-là, c'est ta femme. Il faut lire la Bible. On ne choisit jamais une femme par vision. Ni par prophétie. Il faut que tu puisses avoir une conviction intérieure profonde. Que cette soeur-là, non, elle sera ma femme. Mais pas par prophétie. Qu'une soeur ne vienne pas te voir, frère. Dieu m'a montré que tu es mon mari. Amen. Amen. Ne tombez pas dans ce piège. C'est vrai, Dieu lui a montré. Tu dois te montrer aussi. Mais une chose est sûre, le choix d'une femme ne se fait pas ni par vision, ni par prophétie. Amen. Ne choisissez pas une femme, mon frère, sous pression familiale. Alléluia. Amen. Parce que tes parents ne veulent pas. Parce que tes tuteurs ne veulent pas. Parce que Dieu ne veut pas. Bien-aimé, il faut que tu puisses avoir ta conviction intérieure que cette soeur-là, c'est ma femme demain. Amen. Alléluia. Amen. Mais n'écoutez pas les prophéties. Parce qu'on ne choisit pas une femme pour prophétie. Adam n'a pas choisi Ève par prophétie. Dieu l'a présentée. Il a fait les choix. Si quand Dieu a créé Ève, si quand Adam l'a vu, il n'était pas d'accord. Mais parce qu'Adam était d'accord. Il faut que tu sois d'accord. Ne choisissez pas une femme bien-aimée. Alléluia. Parce qu'il traverse l'église. Souvent quand nous souffrons, bien-aimés, écoutez pas ce matin. Ne prenez pas des décisions pour votre destinée quand vous souffrez. Ne prenez pas de décisions quand vous traversez une mauvaise passe. Souvent ces décisions seront mauvaises. Il faut quand tu es en paix, amen. Quand tu es en repos, amen. Quand ton cœur est tranquille, c'est ce moment-là où on va prendre les décisions.
Amen. Amen. Frère, ne choisis pas une femme. Parce que c'est une femme qui a des papiers. Et toi, tu n'as pas de papiers. Et on veut t'expulser. Les gens jouent avec leur destinée aujourd'hui. Les gens jouent avec leur destinée. Comme des soeurs, pareil. N'allez pas faire un enfant avec un monsieur. Parce que le monsieur a des papiers. Vous pensez à l'avenir de cet enfant. Amen. Bien aimé, les centres d'intérêt d'un mariage, les centres d'intérêt et les motifs qui doivent pousser un homme, une femme, d'aimer un homme, une femme, c'est l'amour. Amen. Si vous avez aimé quelqu'un avec les papiers, vous allez vous séparer de la préfecture. Amen. 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 Moi, je vais faire des enfants avec cet homme-là pour avoir des papiers. Bien aimé, ce qui me choque aujourd'hui, ce qui me choque aujourd'hui, dans l'église, même des chrétiens n'ont plus la foi. Amen. Nous prions un grand Dieu. Nous prions un Dieu puissant. Frères et sœurs, imagine la vie qui est quelque chose de plus important pour toi. Dieu te l'a donné. Comment va-t-il te donner ma vie? Comment les gens portent la vie comme ça? Les papiers, on trouve à la préfecture. Les habits, tu vas aller dans le casa. Mais le souffle de vie. Mais c'est vraiment. Amen. Respecte celui dont le souffle. Si tu te donnes quelque chose de plus important, mes frères, mes soeurs, mes papiers, ici en France, tu vas te les donner. Amen. Ici, mais les gens n'ont plus la foi. C'est pourquoi Dieu ne fait plus, Dieu n'intervient plus, parce que Dieu cherche les gens de foi. La Bible est dans ça, la foi. Il est impossible. Amen. Il faut la foi. Si tu as la foi, tu n'es pas encore mon âge. Amen. Moi, je vais me marier. Amen. Je vais agir. Amen. Parce que la foi pousse Dieu à agir. Amen. Si tu es un homme, du peu importe ce que je suis, un jour je vais me marier. Amen. Je vais continuer à croire. Peu importe si même sous. Même si je suis boiteux, je suis dans Dieu. Dieu va envoyer une femme. Tu crois ça? Alléluia. Une femme vient là. Amen. Et les gens vont se poser la question. Mais la sœur n'a pas vu que la chair nous rend. La sœur dit, moi je l'aime comme. Amen. 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 Aujourd'hui, les gens n'ont plus la foi. Ils n'ont plus la foi. Ils ont jeté la foi. Et c'est normal. La foi tire sa source dans la parole de Dieu. Et aujourd'hui, les gens des églises, ils n'aiment pas la parole. Ils n'écoutent pas la parole. Chez eux à la maison, ils ne méritent pas la parole. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Frères et sœurs, si vous ruminez la parole, vous continuez à lire la parole, et surtout vous croyez à ce que la Bible dit, c'est là qu'on va vous donner la foi. Et quand vous êtes dans des circonstances difficiles, vous allez croire que ce que Dieu a dit va se faire. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, un fils de l'homme pour se repentir. La Bible déclare ce qu'il dit, il est fait. On peut dire amen. Amen. C'est ça la foi. Mais les gens vont se marier. Non parce que je dors dehors. Je vois une femme qui est l'appartement. Je trouve un autre appartement. Je vais le coller. Je perds. Bien aimé. Il y a des païens qui ont des appartements. Amen. Si toi tu es une enfant de Dieu. Si toi tu es fils de Dieu. Amen. Amen. Ah, combien plus fort que les autres bien-aimés, Dieu prendra son défi. Mais n'importe pas ta destinée, n'importe pas ta vie. Parce que simplement tu n'as pas de maison. Amen. Parce que tu n'as pas de papier. Alléluia. Parfois, vous vous asseoir un peu. Que c'est Dieu vous donne la sagesse, l'intelligence. Réfléchissez. Qui est né avec les papiers ici? Alléluia. Amen. Qui est né avec les besoins? Si Dieu a donné aux uns, il te donnera les autres. Ce sont des choses qui doivent te fortifier. Amen. Comme ça, tu ne t'engages pas avec les autres. Amen. Vous devez être conscient de qui vous êtes en Christ. Si vous savez, frère et soeur, en Christ, qui vous êtes, il y a certaines choses que vous ne ferez pas. Amen. Parce que vous savez qui vous êtes. Amen. Il y a des gens dans ce monde qui savent qui ils sont. Certaines choses, ils ne feront pas. Mais les problèmes des gens qui sont dans les églises ne savent pas qu'ils sont en Christ. Voilà pourquoi les gens hypothèquent leur avenir. En choisissant n'importe quelle femme. Or, le choix d'une femme
était censé nous montrer ici. Amen. Il faut, premièrement, une femme qui est soumise. Écoutez-moi, mes frères et mes soeurs. Je vais commencer par les soeurs. Toi, n'importe quel monsieur qui vient du monde, c'est dangereux, frère et soeur. Alléluia. Peu importe qui il prend. Ma soeur, c'est dangereux pour toi. Parce que pourquoi? Je dis pourquoi. Parce que l'homme que tu choisis aujourd'hui, demain, vous mariez, tu seras amené à se soumettre à cet homme-là. Amen. C'est pour cela que le choix est important. N'allez pas dire demain, je ne me soumets pas, c'est un voyou, je ne me soumets pas, c'est un drogué, je ne me soumets pas. Il fallait savoir avant. Parce que la personne que tu choisis aujourd'hui, comme ton mari demain, tu dois te soumettre à cette personne-là. Et on ne se soumet pas à n'importe qui. Alléluia. Amen. C'est pour ça qu'on choisit d'être essentiel. Pour le faire, tu veux te marier, choisis une femme soumise. Amen. Une femme soumise. Parce qu'il y a des femmes qui veulent faire tout ce qu'elles veulent. Amen. Qui n'écoutent jamais leur mari. Jamais. La soumission est l'ami de la rébellion. Amen. Pardon, l'insoumission est l'ami de la rébellion. Amen. Une femme insoumise, c'est une femme rebelle. Amen. Une femme à la maison, elle doit être soumise. Amen. Ma Bible me dit en toutes choses. Amen. Si tu es un enfant de Dieu, ma soeur, tu dois être soumise à ton mari. Amen. 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 Les critères de choix, quand tu vois une femme, tu penses l'épouser. Cherche à savoir si elle est soumise aux autorités et à ses parents. Parce qu'une femme qui n'est pas soumise à ses parents, tu crois qu'à toi, elle sera soumise. Son père qui l'a mis au monde, sa mère, cette soeur-là est-elle soumise à ses parents? Mon frère, ce n'est pas à toi qui sera soumise. Quand tu vois déjà, par rapport à les autorités, par rapport à ses parents physiques, naturels comme spirituels, elle est soumise, tu dois faire attention. Parce que s'il n'est pas soumise à ses parents, elle ne sera jamais soumise. Amen. Une femme bien-aimée, comme je dis le dimanche passé, la femme était créée pour que l'homme puisse l'aimer. C'est le but pour lequel Dieu a créé une femme. Voilà pourquoi une femme, tu donnes de l'argent, tu donnes des voitures, tu donnes des maisons. Mais si elle se rend compte que tu ne l'aimes pas, ça ne sert à rien. Parce que la femme a été créée pour que l'homme puisse l'aimer. La Bible dit, Marie, aimez votre femme. Comme Christ a aimé l'Église. La femme a été créée pour être aimée. Voilà pourquoi une femme qui ne se sent pas aimée par son mari est malheureuse. Très malheureuse. Elle peut boire, elle peut manger, elle peut s'habiller comme elle veut. Mais lorsque dans son cœur, elle sent qu'elle n'est pas aimée par son mari, cette femme-là est malheureuse. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Cette femme-là est malheureuse. Vous voyez, elle est bien habillée comme je l'ai fait passer. Voilà pourquoi vous voyez une femme riche court derrière un drogué, vous voyez, et elle cherche l'amour. Une femme cherche toujours l'amour. Amen. Que personne ne vous trompe. C'est de la folie d'aller draguer une femme avec de l'argent. Non, dis-le-moi, il n'aime pas, elle n'aimera pas ton argent. Elle cherche, la femme cherche l'amour. Amen. Une femme tombe sur un homme qu'elle sent vraiment qu'elle l'aime. Elle va s'attacher à ses parents. Amen. La femme cherche l'amour. Comme l'homme cherche la soumission à une femme. Amen. Un homme qui a une femme insoumise, cet homme-là sera malheureux. Ce que l'homme cherche par rapport à sa femme, que sa femme lui soit soumise. Sa femme le respecte. Parce que dans la soumission, elle est respectée. Et d'ailleurs, une femme insoumise sera irrespectueuse.
Amen. Amen. Une femme soumise, c'est une femme qui va honorer son mari, qui va respecter son mari, qui va écouter ses maris, son mari. Mais la beauté ne doit pas être les critères à 100%. Regardez la soumission. Amen. Amen. Voilà pourquoi dans la Bible, vous voyez comme des femmes comme Sarah. Elle appelait son mari Seigneur. Ma soeur, toi qui es mariée, tu l'appelles comment? Allô? Amen. Tu l'appelles comment? Amen. Sarah appelait Abraham mon Seigneur. Est-ce qu'Abraham n'avait pas les défauts? Oui. Est-ce qu'Abraham n'était pas parfait? Non. Parce qu'Abraham était un homme comme vous et moi. Mais Sarah l'appelait Seigneur. Souvent aujourd'hui, les femmes sont des insoumises. Très peu de femmes obéissent à leur mari. Très peu de femmes écoutent leur mari. La plupart des femmes, surtout les problèmes, on est en Europe. Alléluia. Parfois la femme touche même mieux que toi. Amen. La femme touche même mieux que toi. Alors elle se dit la question, je gagne plus que lui. Pourquoi je me soumets? Mais ça n'a rien à voir. Si tu es chrétien, ça n'a rien à voir. Si tu sais de l'eau. La femme toute seule s'achète sa voiture. Amen. Elle s'habille toute seule. Elle se pose la question. Pourquoi elle me soumettre à un homme? Alors que je m'habille tout seul. Je travaille. Je m'achète une voiture. Mais ça n'a rien à voir avec la Bible. Amen. Ma Bible dit, femme, sois soumise à ton mari. Sarah appelait Abraham, mon Seigneur. C'est pour cela, je répète encore, choisissez quel est l'homme qui doit être ton mari. Parce que demain, tu devras te soumettre à cet homme-là. On ne se soumet pas à un homme ou à un mari parce qu'il est bon ou il est mauvais. Non! C'est la Bible. Sarah ne soumettait pas à Abraham. Parce qu'Abraham était bon ou mauvais. Parce que la soumission d'une femme envers son mari ne dépend pas tant du mari, dépend de la femme. Tu arrives à dire amen. Amen. Si l'âme de cette femme-là, dans son intérieur, parce que bien aimé, la vraie beauté d'une femme, c'est à l'intérieur. Amen. Si l'âme de la femme à l'intérieur, elle a une bonne âme. Mon frère, peu importe ce que tu seras, cette femme sera soumise. Amen. Parce qu'elle n'a pas de choix. À l'intérieur, elle est bonne. Amen. Les critères, bien aimé, de la soumission d'une femme envers son mari ne dépend pas du mari, dépend d'abord du caractère de la femme. Amen. Alléluia. Amen. Certaines femmes, voilà pourquoi les gens viennent le voir. Ma soeur, mais toi aussi. Mais les maris font comme ça. Elle n'a pas le choix. Elle est comme ça à l'intérieur. Amen. Elle est comme ça à l'intérieur. Tu peux les pousser à l'insoumission, les pousser à la rébellion. Mais elle n'a pas le choix. À l'intérieur, elle a été créée par Dieu pour qu'elle soit soumise. Elle a la soumission à l'intérieur. Amen. Amen. Si une femme comme ça convient se marier, c'est le premier critère dans les choix d'une femme, la soumission. Amen. Amen. Et la soumission n'est pas l'esclavagisme. Amen. C'est la soumission. Et tu fais cela comme la Bible que la femme soit soumise à ton mari comme au Seigneur. De la même façon, une femme elle se soumet au Seigneur. De la même façon, elle se soumet à son mari. Amen. 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 C'est très important. Aujourd'hui, trop de femmes sont insoumises. Et dans un couple, dans un foyer, où la femme est insoumise, ce mariage ne marchera pas. Il ne marchera pas. Il ne marchera pas. Trop de femmes sont des insoumises. Ils n'écoutent jamais leur mari. Ils insultent leur mari. Ton mari à la maison, mes frères et sœurs, je m'en fous de ce que vous croyez. Mais la Bible dit que ton mari c'est un chef. Amen. Alléluia. Amen. Et les chefs que la Bible parle ici, ce n'est pas les commandants des armées. Les chefs que la Bible parle ici, c'est un modèle. Amen. Un responsable. Amen. Quelqu'un qui est chef dans son foyer, il est responsable. Il est un modèle. C'est lui qui amène les foyers dans la destinée de la vie du foyer. Quand il est à la maison, la femme et les enfants se sentent en sécurité. Que le monsieur est là, c'est le chef. Amen. Amen.
Le chef, c'est celui qui pourvoit aux besoins de sa famille. Qui a des problèmes, il trouve la solution. Ce n'est pas un démissionnaire. Des gens qui fuient des problèmes. Les problèmes sont faits pour être résolus. Que venir à même. Quel problème, on trouve la solution. Amen. Un chef, il trouve la solution. Amen. Même si ça prend du temps, il trouve la solution. Il y a des hommes qui disent, oh, moi je m'en fous. Moi je m'en fous. Ce n'est pas un chef. Amen. Un vrai chef, il prend ses responsabilités. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit à la femme d'être soumise à son mari comme au Seigneur, comme le Seigneur est le chef de l'église. Dans le foyer, l'homme est le chef de sa femme. Amen. Amen. Le chef de sa femme, pas le chef de toutes les femmes. Amen. 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 C'est clair. Amen. C'est une femme comme ça, mon frère, quand vous êtes marié, tu l'as choisi. Mais regarde aujourd'hui les critères que les gens choisissent. Le deuxième critère est cette femme-là. Doit être né de nouveau. Mes frères, amen. Amen. N'entrez jamais dans un mariage lorsque la femme n'est pas convertie. Écoutez-moi ce matin, je parle sincèrement. Quand l'homme n'est pas converti, c'est déjà mauvais. Mais quand une femme n'est pas convertie, c'est pire. Amen. 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 N'allez jamais épouser une femme qui n'a aucune relation avec Dieu. Si avec son créateur, il n'a aucune relation, elle n'aura aucune relation avec toi. Amen. 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 Il faut que cette femme-là soit d'abord réconciliée avec Dieu, soit née de nouveau. Quelqu'un qui est converti. N'épousez jamais une femme née de nouveau, qui n'est pas de nouveau. Et lorsqu'elle est née de nouveau, elle est preuve. Amen. Un bon âme n'est pas que des bons fruits. Amen. Et mauvais arbre, de mauvais fruits. Amen. Jésus disait, on reconnaît l'arbre par ses fruits. Amen. Si vous contractez un mariage avec quelqu'un, une femme, qui n'est pas née de nouveau, tu vas détruire ton avenir. Amen. Amen. Bien aimé, la Bible est claire. Pas une femme qui vient à l'église. Amen. Amen. Pas une femme qui chante la chorale. Amen. Une femme née de nouveau. Amen. Parce que tous ceux qui viennent dans les églises ne sont pas nés de nouveau. Amen. J'ai beaucoup de gens ne sont pas nés de nouveau. Amen. Donc si tu veux épouser une femme, cherchez une femme qui est née de nouveau. Une femme qui est réellement convertie. Une femme qui a l'esprit de Dieu, qui a reçu la vie de Dieu. Amen. Parce que lorsque quelqu'un reçoit la vie de Dieu, il bascule dans les autres dimensions spirituelles. Lorsque quelqu'un reçoit la vie de Dieu, Dieu vient dans sa vie. Il y a des choses qu'il ne pourra pas te faire. Amen. Amen. Des choses qu'il ne pourra pas faire. Quelqu'un qui a la vie de Dieu, il y a des choses qu'il ne pourra pas faire. Amen. Parce que la vie de Dieu qu'il a reçue l'empêche de faire ces choses. Amen. 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 Elle ne pourra pas te tromper. Amen. À cause de la vie de Dieu. Amen. À cause de la vie de Dieu. Mais aujourd'hui, beaucoup de frères, la seule critère pour une femme, oh, elle est belle. On va voir ça. On va voir. La seule critère, qu'elle soit insoumise, c'est pas la problème. Oh, déjà, vous êtes que des fiancés. Vous sentez que c'est une sœur qui est rebelle. Déjà, t'es des fiancés, elle ne t'écoute pas. Si dehors, il ne t'écoute pas, à la maison, elle t'écoute là-bas. Alléluia. Amen. Mais je dis une vérité. C'est que quelqu'un est en dehors du mariage. C'est que quelqu'un, son caractère, pendant qu'il est célibataire, c'est le même caractère que sa caractère. Mais combien de gens qui écoutent, on n'a qu'à voir se marier, il va changer. Si quelqu'un ne change pas en tant que célibataire, il ne changera pas en tant que marié. Il est parce que Dieu qui change de vie. Amen. On n'a qu'à voir, on va se marier, il va changer. Amen. Amen. Surtout les femmes cherchent la sécurité des mariages. Tu vas voir que le célibataire fiancé. Elle sera autrement. Maintenant, quand sera que tu l'as marié? Alléluia. Amen. Tu verras son vrai visage. Amen. C'est pour cela, pendant, comme j'ai dit la fois passée, n'entrez pas dans le mariage les yeux fermés. Amen. Pendant que vous êtes célibataire, ouvrez les yeux. Amen.
ouvrez les yeux. Regardez. Allez demander les conseils. Regardez ce que je vois cette femme-là. Comme ça, tu peux déposer les yeux. Mais le problème, quand les gens sont célibataires, ils ferment leurs yeux. Quand ils se marient, ils ouvrent les yeux, c'est trop tard. Tu peux dire amen. Il faut que la femme soit née de nous. Il faut que cette femme-là soit née de nous. Amen. C'est très important. Une personne réconciliée avec Dieu. Une personne qui aime Dieu. Une personne qui est réellement convertie. Amen. Parce que bien-aimé, vous oubliez, la femme que tu as de les prendre, c'est ton aide dans la vie. Quelqu'un que Dieu mettra à ton côté pour t'aider. La Bible appelle une femme une aide. Une femme dans son foyer qui ne joue pas le rôle d'un aide. Ce n'est pas une femme. Ce n'est pas une femme. Si le mari sort, qui n'a qu'à sortir? S'il va boire, qui n'a qu'à boire? Une femme de moi, j'allais mal, ce n'est pas une femme. Une femme, c'est une aide dans un foyer. Le mari peut être un peu penché. Une bonne femme va régler sur son mari. Une femme dans la maison qui dit toujours, moi je m'en fous, c'est sa vie. Ce n'est pas une femme. Une femme a été créée à côté de l'homme comme une aide. Tu dois aider ton mari. Alléluia. Mais beaucoup de gens aujourd'hui souffrent aujourd'hui. Ils sont en train de passer à côté de leur destinée. Parce qu'ils ont trouvé des femmes qui ne les aident pas. Oh, je suis fatigué, c'est sa vie. Qui n'a qu'à faire, bien aimé. Si un problème lui arrive, indirectement, ce problème t'arrivera. Pourquoi? Parce que son mari. La femme doit aider son mari. S'il est dans l'aveuglement, et que toi tu es dans la lumière, tu vois clair. Tu veux lui dire non, le chemin où tu vas là, c'est un mauvais chemin. Il faut que tu ailles, je ne veux pas. Une femme doit aider son mari. Tu dis, regarde les conséquences. Bien aimé, je vous dis une vérité. La sensibilité d'une femme et d'un homme n'est pas pareille. Amen. Un homme ne peut rien voir, mais une femme peut voir quelque chose qui arrive. Amen. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux hommes, si vous avez une bonne femme, une femme sage, intelligente, il faut apprendre à l'écouter de temps en temps. Amen. Parce qu'il y a des choses que les hommes ne voient pas. Amen. Une femme peut voir. Amen. Et si on ne fait pas attention, on va s'écrouler. Il y a des femmes qui ne jouent pas leur rôle d'aide. Oh non, ils n'écoutent pas. Comment ils ne doivent pas t'écouter? Comment ton mari ne doit pas t'écouter? C'est que tu as un problème. Ève, quand elle a mangé, il a donné à Adam. Et ça l'a refusé. Non. Parce qu'il avait le pouvoir sur ça, son mari. Adam n'a même pas discuté. Écoute, c'est quelle fouille? Tu as eu où? Est-ce que c'est passé? Non. Il a pris. Elle a mangé, elle a donné à Adam, elle a mangé. Ma soeur dans ton foyer, écoute-moi ce matin, si ton mari ne t'écoute pas, tu as des problèmes. Amen. Tu as des vrais problèmes. Comment ça fait qu'il ne t'écoute pas? Parce que simplement, tu ne joues pas les rôles d'elle dans ton foyer. Amen. Alléluia. Amen. 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 Une femme, c'est une aide. C'est une aide. Tu dois, dans tous les domaines, aider ton mari. Si tu vois qu'il va dans un trou, tu dois l'aider. Si tu laisses ton mari tomber dans un trou, tu souffriras comme lui. Amen. 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 C'est très important. Mais pour qu'une femme soit comme ça, il faut que cette femme-là soit née de nouveau. Soit quelqu'un qui a la vie de Dieu. Qui est réconcilié complètement avec Dieu. Qui marche avec le Seigneur. Cette femme-là qui peut aider son mari. Alléluia. Amen. 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 Parce que les couples, c'est deux personnes. Un couple ne peut pas réussir si simplement une personne se met à travailler pour la réussite du couple. Il faut que les deux travaillent pour que le couple fonctionne. Amen. 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 Donc dans les choix d'une femme, il faut tenir compte. Est-ce qu'elle est née de nouveau? Amen. Amen. Donc c'est une femme qui ne vient pas simplement à l'église. C'est une femme qui ne chante pas simplement à l'église. Mais elle doit avoir des fruits dignes de repentance. Il faut qu'elle soit vraiment réconciliée avec Dieu.
C'est une femme qui marche selon la parole de Dieu. Alors une femme comme ça, alléluia, si tu l'épouses, tu vas te retrouver dans les proverbes 18, 22. Celui qui trouve une femme, il trouve le bonheur. Bien-aimé, la Bible dit, si tu trouves une femme, tu trouves le bonheur. Si ta femme, c'est ton bonheur, peu importe, mon frère, là où tu es, ton cœur, c'est là où elle est. Si ta femme, c'est ton bonheur. La femme doit être un bonheur pour soi. Les problèmes, simplement, aujourd'hui, il y a des femmes qui sont devenues des malheurs pour leur mari. Mais celui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Amen. Il y a des hommes qui ont trouvé des femmes, mais qui ont trouvé des malheurs. Une femme, c'est un bonheur. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi quand Adam s'est réveillé de son sommeil, il a dit, cette fois-ci, c'est l'os de mes os et la chair de ma chair. On l'appellera femme. Une femme doit donner du bonheur à son mari. Amen. Alléluia. Amen. Une femme doit donner du bonheur à son mari. Bien-aimé, le bonheur ici, ce n'est pas l'argent. Alléluia. L'argent contribue au bonheur, mais l'argent ne fait pas le bonheur. Le bonheur, ce n'est pas l'argent. Parce qu'il y a des couples, bien-aimés, où il n'y a pas l'argent, mais le couple est heureux. Amen. Amen. Et les couples sont comme ça, il n'y a pas l'argent. Mais ils sont heureux. Parce que l'argent n'est pas le bonheur. L'argent peut contribuer à faire que quelqu'un soit heureux de la vie. Mais l'argent n'est pas le bonheur. Quand tu ne dors pas la nuit, quand ton cœur est brisé, quand dans un foyer, il y a toujours des disputes, il y a toujours des querelles, même si y a l'argent, il n'y aura pas de bonheur. Amen. Quelqu'un me dit amen? Quand toujours la mésentente, des incompréhensions. L'homme va à gauche, le mari à droite. Quand le mari va à droite, l'homme est à gauche. Ils ne se comprennent jamais. Bien aimé, j'ai compris aujourd'hui. Vous pouvez vous aimer avec quelqu'un. Tu peux aimer une femme, écoutez-moi. Tu peux aimer une femme. Tu peux aimer un homme. Mais parfois, vous n'êtes pas fait pour vivre ensemble. Amen. C'est pourquoi ça ne marche pas. Amen. Il y a des gens qui sont ensemble aujourd'hui, qui n'ont pas été faits de vivre ensemble. Voilà pourquoi ils ne se comprennent jamais. Voilà pourquoi il y a toujours des problèmes. Ils sont ensemble par accident. Mais ils ne sont jamais faits pour vivre ensemble. L'amour ne suffit pas. Il faut que tu trouves une femme. Tu trouves un homme. Alléluia. Amen. Avec qui tu es fait pour vivre ensemble. Amen. Voilà pourquoi quand tu te maries avec une femme, avec qui tu as préparé que vous soyez ensemble, vous comprenez. Amen. Amen. Voilà pourquoi certaines personnes vont te dire, ma soeur, mais comment tu supportes un tel homme? Mais toi tu le supportes. Parce que je te fais à vivre ensemble. Voilà pourquoi il y a des gens qui disent, mon frère, comment tu as fait? Comment tu as fait pour vivre avec une telle femme? Et parce qu'ils avaient été créés pour vivre ensemble. Il y a des hommes et des femmes qui ne sont jamais faits pour vivre ensemble. Voilà pourquoi jusqu'à la fin de leur jour, ils ont toujours des troubles dans le foyer. Amen. Bien-aimés, quand un mariage est né, vous rencontrez une femme, vous rencontrez un homme, après 2 ans de mariage, alléluia, il peut avoir des incompréhensions. Il y a déjà 30 ans de mariage, ils ne se comprennent toujours pas. Ils ne sont pas faits pour être ensemble. C'est normal 2 ans, 3 ans après, tu viens de ta famille, avec ta culture, avec ta compréhension, avec ton éducation. Moi aussi je viens, mais tant qu'on met ça ensemble, il y aura 2, 3 ans. Mais 30 ans ensemble, ils se comprennent toujours. 15 ans ensemble, ils se comprennent toujours. 20 ans ensemble, ils ne se comprennent pas. Alléluia. S'il faut une semaine, ça c'est discuté, c'est qu'ils ont gêné. Alléluia. Amen. Toujours les paroles. Toujours les discussions. Toujours les disputes. Et quand tu regardes leurs disputes, ça n'a ni tête ni cœur. Amen. Mais 20 ans sont ensemble. Mais quand on reste ensemble avec quelqu'un,
on commence à le comprendre. On commence à savoir qui il est. Le pas que vous êtes fait pour vivre ensemble. Mais si vous n'avez pas été fait vivre ensemble, alléluia, jusqu'à la fin de vos jours, vous allez toujours vous disputer. Vous disputer, vous battre des incompréhensions. Parfois, certaines choses sont claires et nettes. Tu dis, ça y est, cette fois-ci, il va comprendre. Quand tu viens à la maison, elle ne comprend pas. Ou lui, il ne comprend pas. Parce qu'il n'avait jamais été fait pour vivre ensemble. Alléluia. Amen. C'est pour cela, bien-aimés, le temps des fiançailles est important. Vous vous regardez, vous discutez, vous parlez, et ça vous aide à prendre une décision. Parce que c'est que, bien-aimé, ton fiancé aujourd'hui, l'homme avec qui tu es épousé, la femme avec qui tu es épousé, ce qu'il est réellement, tu seras prêt. Tout mariage, les mariages sont heureux. Je n'ai jamais vu un mariage, trois mois après, ils sont maintenant. Au début, ils sont heureux. Mais c'est la suite des temps. Parce que les temps révèlent toujours la nature d'une vraie chose. Les temps. C'est pourquoi le facteur du temps est important. Si vous voulez connaître quelqu'un, prenez l'argument du temps. Avec les temps, tu seras qui est qui. Amen. Et la troisième critère, comme nous avons dit le dimanche passé, il faut que cette femme-là n'aime pas toujours le monde. Amen. 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 Il ne faut pas qu'elle n'aime pas toujours le monde. Comprenez-moi bien, je vous interdis de parler dans cette église. Amen. 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 Parce que les gens aiment perpétuer toujours les paroles. Amen. Et puis tu vas venir à l'église, tu vas t'arrêter, tu ne fais pas danser parce que les pasteurs disent que ce qui est dans son charnel. Non, ce n'est pas tout ce qui est dans ce charnel. Amen. Mais la plupart des femmes, elles dansent avec leur chair et non avec leur cœur. Amen. Si c'est une femme chrétienne, c'est dans une même église. Il faut bien la regarder par la dimension. Amen, amen. 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 Il faut bien la regarder par la dimension. Amen. Et la regarder aussi par la dimension. Si tu vois son attitude étrange, absente, pendant l'adoration et pendant la louange, on dirait qu'on l'a mis le feu dans ce qui est. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois faire attention. Amen. Par l'adoration, bien-aimé, c'est là où on communique avec Dieu. C'est là où on exacte son cœur à Dieu. On dit, Seigneur, je t'aime. Amen. Alléluia. Parce qu'une femme qui aime Dieu finira par t'aimer Dieu. Amen. Mais la louange. Amen. Amen. La louange. Surtout qu'à la musique. Amen. En fait, vous pensez qu'elle danse parce que les chansons sont bon. Mais elle écoute la guitare basse. Elle se souvient de la musique qu'elle écoutait avant dans le monde. Elle dit, c'est presque le même rythme. Elle danse pour ça. Tu vois, elle devient folle. Amen. Mais ce n'est pas l'onction qui l'a fait danser. Amen. Voilà la preuve, après les cultes. Il ne va pas faire ça à ceux qui ont chanté. Mais il dit, ah, tu veux bien jouer la guitare. Amen. Parce que c'est souvenir à sa guitare là dans le monde. Mais les soeurs et les frères qui ont chanté, ils les ont mis. Amen. Les frères, tu veux bien jouer la guitare aujourd'hui. Amen. Amen. Mais ce sont des signes. Parce que si elle est charnelle, cette femme-là, si elle est charnelle, quand vous allez vous marier, il va t'amener dans les choses de la chair. Amen. Tu dis, bon, on nous a invités à une fête. Les maris disent, non, moi je ne me sens pas bien, on va rester à la maison. Ça devient un problème. Il faut qu'elle aille. Amen. Il va t'amener dans les choses charnelles, t'amener dans les boîtes de nuit, t'amener dans les choses charnelles, parce qu'elle est charnelle. Elle aime les choses de la chair. Amen. Ces choses sont très importantes. Et regardez bien l'église. Si elle aime la louange, l'adoration, quelle est son attitude quand on loue et quelle est son attitude quand on adore? Amen. Ce sont des indicateurs. Quand tu vois ces choses arriver, tu peux te poser la question. Et le quatrième critère ce matin. Genèse 22. Les versets 22. Quelqu'un peut me lire ce verset? J'aimerais bien qu'on puisse lire les versets. Genèse 2. Les versets 22.
au nom de Jésus. Amen. Genèse chapitre 2 et le verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Amen. Continue. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est l'os de mes os et chair de ma chair, et on l'appellera femme parce qu'elle l'a été prise de l'homme. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Genèse 2, 22-23. Écoutez bien ce que Adam dit. Adam, quand il a vu Ève, après s'être réveillé, lui-même il a dit, voici cette fois l'os de mes os et la chair de ma chair. Adam n'a pas dit, voici cette fois l'âme de mon âme et l'esprit de mon esprit. C'est pas ça qu'il a dit. Amen. Il a dit, cette fois, c'est l'os de mes os et la chair de ma chair. Donc Adam parlait, alléluia, Amen. De la beauté physique. Amen. C'est quand il s'est réveillé, quand il a vu Ève, il a dit, tiens, elle est belle. Franchement, ça c'est vrai. Elle n'a pas dit l'âme de mon âme et l'esprit de mon esprit. L'un des critères, mon frère, si tu es marié avec une femme, il faut, je dis bien, il faut que cette femme puisse te plaire physiquement. Amen. Ne te marie pas avec une femme qui ne te plaît pas physiquement. Amen. Tu ne vas pas l'aimer. Amen. C'est pour cela que je reviens encore. Il ne faut pas qu'on se marie par prophétie. Amen. Il ne faut pas qu'on se marie par pression familiale. Il faut que la femme que tu as épousée, physiquement, quand tu le vois, elle doit te plaire. Amen. 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 Si tu aimes une femme de petite taille, n'allez pas te marier à une femme qui est une grande taille. Amen. Parce qu'elle ne te plaira pas. Amen. Si tu aimes une femme qui a un teint clair, n'allez pas te marier avec quelqu'un qui était noir. Parce que physiquement, elle te plaira. Si tu aimes des femmes qui sont minces, n'allez pas prendre une femme qui pèse 150 kg. Elle te plaira pas. L'un des critères, frère et soeur, il faut que la femme que tu veux épouser puisse te plaire. Amen. Alléluia. Amen. Et sa beauté physique doit te plaire. Parce que tu ne pourras pas aimer une femme qui ne te plaît pas. Si tu n'aimes plus ta femme, parce qu'elle ne te plaît pas, tu vas la supporter. Mais tu ne vas plus l'aimer. Amen. Ce sont des critères à tenir compte. Quel genre de femme qui te plaît? Voilà pourquoi elle est faite. On a tenu compte de ces critères que Adam a tenu. L'ange des maisons, la chair des machins. Et prends n'importe quelle femme et puis se marier. Voilà pourquoi on voit les tels frères à coup d'œil de tout. Mais pourquoi tu as pris cette femme-là si tu as faim? Mais pourquoi? Parce qu'elle s'est mariée avec une femme qui ne plaît pas. Alléluia. Vous voyez, ils sont invités dans une fête de mariage. À table, ils sont là. Sa femme ne parle pas de l'Israël. Parce que cette femme-là ne lui plaît pas. Il faut se marier à cette femme qui te plaît. Tu t'es dit, sur toutes les femmes du monde, ma femme c'est la plus belle. Voilà pourquoi je l'ai pris en mariage. Parce que si la femme a l'impression qu'elle ne plaît pas son mari, ou son mari ne la désire pas physiquement, il va se sentir frustré. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, l'homme est différent. Écoutez-moi ce matin. L'homme est différent de la femme. Amen. Il est important quand vous mariez, vous comprenez cela. Si vous pensez que la femme doit raisonner comme un homme, vous faites une erreur. La femme ne va jamais raisonner comme un homme. Amen. Si vous pensez que l'homme va raisonner comme la femme, l'homme ne va jamais raisonner comme la femme.
Et c'est la raison pour laquelle il y a des problèmes des foyers. L'homme et la femme sont différents. La preuve, quand Dieu devrait créer l'homme, il a pris la poussière. Mais quand il veut créer la femme, il n'a pas pris la poussière. Il a pris la corne de l'homme. L'homme et la femme est différent. C'est pourquoi vous regardez. Un homme est impressionné par ce qu'il voit. Amen. 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 Un homme, quand il voit une belle voiture, il voit des beaux habits, il voit une belle femme, il est impressionné. Mais la femme n'est pas impressionnée par ce qu'il voit. Amen. La femme est impressionnée par ce qu'elle entend. Amen. Tu ne pourras pas lui faire des compliments. Amen. Oh, la femme aime les compliments. La femme, bien aimée, toute femme aime les compliments. Amen. Dis-lui donc, tu es belle. Oh, tu es gentille. Oh, tu es magnifique. Je ne sais pas, tu es tombé du ciel. Même si ce n'est pas vrai, elle va croire. Elle va croire. Parce que la nature de la femme, là, Dieu l'a créée pour qu'il puisse aimer les compliments. Cette femme-là ne te plaît pas. Et physiquement, ne te plaît pas. Comment tu vas lui faire des compliments? Comment? Parce qu'on complimente quelque chose qu'on aime. C'est pour ça, avant de choisir une femme, il faut que cette femme-là physiquement puisse te plaire. Quand tu es en présence de cette femme-là, tu sens le palpitation cardiaque. Tu sens donc que comment ça te parle. Vous donnez rendez-vous quelque part dans un restaurant et n'est pas encore arrivé, tu sais qu'il va tranquille. Tellement dis-moi, je le vois là. Mais quoi, ta femme, elle ne te plaît pas? Parce qu'un prophète a dit, c'est ta femme. Parce que ta famille t'a dit des maranons, nous on veut cette femme-là. Mais si elle ne te plaît pas, n'allez pas avec cette femme. Amen. Il faut qu'une femme te plaît. Quand vous êtes ensemble, vous aurez 5 heures, 6 heures en train de parler. On dirait que vous avez fait 2 heures. Amen. Quand il est parti, non, mais il veut déjà partir. Je dis, mais regarde, je suis là depuis midi, on est 20 heures. Amen. Mais tu as vu le temps passer parce que c'est une femme qui te plaît. Amen. 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 Quand tu es en présence de cette femme-là, tu sens des puissants cardiaques à l'intérieur. Tu sens que ton cœur est rouge. Tu dis, waouh, pourvu qu'on s'est marié, pourvu qu'on s'est marié. Tu commences à compter les mois. Alléluia. Pourquoi? Parce que cette femme-là t'est plaît. Mais demande aux frères qui sont mariés. Quel critère tu as utilisé? Rien. Amen. Il faut qu'on ne parle pas cette femme pour se plaire. Quand tu la vis physiquement, dis non, c'est des gens de femmes que moi j'aime. C'est des gens de femmes que moi j'aime. Donc c'est un critère que je vais utiliser pour m'épouser. Mais si tu n'aimes pas les femmes comme ça, n'allez pas les pousser. Alléluia. Amen. 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 Dieu qui mesure 2,50 m et ta femme 1 m. Mais si tu aimes des femmes qui sont grandes, cherchez une femme qui est grande. Au moins quand tu es avec elle, tu es à l'aise. Voilà pourquoi vous remarquez, certains hommes cachent les femmes. Amen. À cause de ça. Amen. Mes frères, on t'a jamais vu ta femme. Amen. Toujours les fêtes, il est seul. Le deuil, il est seul. Partout, il est seul. Parce qu'il cache sa femme. Pourquoi? Parce qu'il sait que moi-même, déjà, je ne l'apprécie pas. Donc, si je l'amène vers les gens aussi ne vont pas l'apprécier. Donc, il faut le cacher. Amen. Alléluia. Amen. Mais quand cette femme-là te plaît, que ça ne plaise pas aux autres, tu t'en fous. Amen. Toi, elle te plaît. Amen. Que ta famille, tes frères et soeurs, je ne sais pas ton pasteur, mais toi, elle te plaît. Et tu es content de vivre avec elle. Et c'est comme ça que vous allez l'aimer. Bien aimé, la beauté physique compte. Surtout pour une femme. Amen. Et pour les cheveux, il faut s'embellir. Amen. 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 L'homme bien aimé est touché par ce qu'il voit. Amen. Il y a des hommes, quand ils voient une femme, tu vois les yeux commencent à briller. Amen. Tu sens qu'il est déboussolé. Il est pris en paix. Parce qu'il a vu juste une femme. L'homme est bien aimé est toujours touché par ce qu'il voit. Amen. Alléluia. Amen.
Mais pendant que tu me parles, je pense que je t'écoute. Et puis demain, hein, tu m'as dit quoi? Il n'a jamais écouté. Mais la femme, alléluia, est impressionnée par ce qu'il écoute. C'est pour quand tu parles avec une femme, fais très attention. Toi, tu peux oublier. Mais elle n'a jamais oublié. Tu dis, c'est 10 ans, tu m'as dit ça. Mais toi, tu as compris. Mais la femme a raison. C'est pourquoi, bien aimé, il faut des compliments à une femme. Il faut complimenter une femme. Tu vas voir comment elle sera contente. Parce que c'est vraiment un compliment. Alléluia. Pourquoi? Parce que ce que tu lui diras tout le temps va rester dans son cœur. Parce qu'elle entend. Amen. Amen. Regarde même les hommes. Si nos femmes nous comprennent pas, ça ne nous fait rien du tout. Alléluia. Oh, tu es beau gosse. Nous, ça ne nous fait rien. Amen. Tu peux dire tout ce que tu dis, c'est vrai. Dis à ton mari. Tu vas voir, il n'est même pas là. Tu es beau, il est de se raser. Tu as dit quoi? Mais ça, les hommes bien aimés s'en foutent des compliments. Alléluia. Mais va dans la salle des bains. Commence à maquiller. Maquille-toi bien, comme jamais la vue. Habille-toi même. Et toi, tu vas où, toi? Elle a remarqué que tu vas quelque part. Parce qu'il se pose la question, mais si tu vas faire le pouce, pourquoi tu te maquilles comme ça? Parce que l'homme regarde souvent ce qu'il voit. Il est touché, impressionné par ce qu'il voit. Amen. Oh non, j'ai fait le pouce, j'ai le crème. Ah, juste le pouce, tu te maquilles comme ça. Tu vas voir comment ça se soumet. Parce qu'il a remarqué tout de suite que tu es bien habillé et bien maquillé. Donne des compliments à un homme, ça ne lui fait rien. Mais par contre, donne des compliments à une femme. Amen. Amen. Donne des compliments à une femme, ça va toucher son cœur. Parce que souvent, l'oreille de la femme a été faite pour écouter des compliments. Amen. Amen. C'est pour ça, lorsqu'une fille, une jeune femme est célibataire, elle doit faire très attention à ce qu'elle entend. Il ne faut pas qu'il se laisse séduire par ce qu'elle entend. Parce que quand on vient te voir, au moins toi tu es belle, l'autre vient toi tu es une princesse, elle dit mais je suis qui alors? Mais juste le compliment, parce que les hommes savent que les femmes aiment les compliments. Alléluia. Amen. Les hommes le savent qu'une femme aime les compliments, qu'elle soit mariée ou pas. Alléluia. Amen. Même lorsqu'une femme mariée, même en cours dans les ambus, madame, c'est joli, hein? Ça lui fait du bien. Alléluia. Et même pas dire que non, mais tu n'es pas mon mari. Il va dire, tiens, elle va sourire. Les compliments lui font du bien. Alors qu'elle est mariée. Une femme est belle, compliment. Alléluia. Et ce sont des critères, frères et sœurs, que nous devons tenir lorsque nous voulons choisir une femme. Amen. Amen. Il faut pas que cette femme-là vienne par vision. Adam n'a pas fait une vision. Quand elle s'est réveillée, elle a vu. Elle a dit, c'est l'os, les mains sont et la chair de ma chair. C'est-à-dire que, franchement, c'est une femme qui me ressemble. Comme je suis créé par les os, elle aussi c'est par les os. Comme je suis créé de la chair, elle aussi est créée de la chair. Donc c'est ma femme. Et Dieu a dit, ok. C'est important, frère et sœur. Aujourd'hui, les gens choisissent les femmes. Non, parce qu'il a l'argent. Parce qu'il est né de telle famille. Mais parce qu'elle est comme ça. Non. Il faut déjà que cette femme-là puisse te plaire. Amen. Il faut qu'elle te plaise. Si tu veux une femme qui est noire comme un Soudanais, dis-le, mais c'est ton choix. Mais toi, tu aimes des femmes noires. Les gens vont dire, mais monsieur, il a avec le nom, moi, elle me plaît comme ça. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi des hommes qui disent, non, j'ai même le père de l'aigle. Non, 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 reste comme ça. Moi, tu me plais comme ça. Parce que la beauté d'une femme, c'est par rapport à son mari. Mais parfois, sa famille, ses amis, non, mais même père de l'aigle, non, mon mari, qu'il soit noir comme ça, elle aime comme ça. Amen. Et c'est comme ça que ton mari va t'aimer. Amen. 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 Et c'est très important. Si vous avez ce choix-là dans votre cœur, à 90%, vous aurez l'homme ou la femme que vous désirez. Amen. Et dans la vie, vous serez heureuse. Amen. Amen. Amen.
C'est très important, bien-aimé. Le choix d'une femme est très important, comme d'ailleurs le choix d'un homme. Parce que ton avenir est engagé. C'est ton partenaire. C'est la mère de tes enfants. C'est ton épouse dans la vie. Donc ton choix doit être un choix judicieux selon les critères de la parole de Dieu. N'allez pas prendre une femme, non, je te veux un esprit. Non, il n'est pas esprit. Elle est chair et os. Amen. Mais sauf que quelqu'un, un frère, ne vienne pas te courtiser sous prétexte qu'il t'a vu dans la vision. Non, il faut qu'elle puisse t'apprécier. Amen. Amen. C'est pour cela que tu ne peux pas te marier avec un homme, une femme que tu n'as jamais vue. Il faut que tu puisses le voir. Quelqu'un tu as vu qui est par une photo, c'est dangereux. Amen. Et déjà la photo, elle était assise. Tu ne sais même pas s'il a un pied ou un deux pieds. Et parfois la photo, c'est une photo passeport. Il faut que tu la vois. Amen. Parce que quand tu vas la voir, tu vas la l'apprécier. C'est très important. Alléluia. Amen. Les problèmes des chrétiens aujourd'hui, il met tout dans l'esprit. Donc je suis humain. Tu vas voir si tu as bon. Alléluia. Il met tout dans les choses de l'esprit. Bien-aimé. Il y a des moments où il y a des choses de l'esprit. Bien-aimé. Mais nous sommes des êtres humains, même si nous sommes spirituels. Il faut que tu sois tout voyé. Comment tu vas apprécier un homme comme ça? Une femme comme ça que tu n'as jamais vue. Tu as vu que par les photos. Alléluia. Amen. Et d'ailleurs, quand on prend une photo, surtout les femmes, et c'est maquillé. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que cette femme t'aime. Ton cœur puisse te désirer. Alléluia. Amen. Il faut que ton cœur les désire. Alors, une femme comme ça, ça va être une bénédiction pour toi. Amen. Voilà pourquoi les gens peuvent parler. Tu n'es pas là, et c'était mon choix. Ta mère, ton père, tout le monde peut parler. Mes frères, toi aussi, Ami, non, non, non. Vous, je n'ai pas comme ça. Mais moi, j'aime les femmes comme ça. Quand je le suis, j'ai eu des palpitations cardiaques. Que vous ne voulez pas voir la femme que j'aime. Et c'est une femme qu'on doit épouser un jour. Mais n'épousez jamais mes frères. Alléluia. Amen. Amen. Une femme qui ne vous plaît pas physiquement. N'épousez pas de telles femmes. Il y aura des problèmes dans les foyers. N'épousez pas une femme que tes parents te pressent de se marier, que tu as reçu par la vision. Parce que demain, tu vas changer. Amen. Amen. Après, tu vas faire sauter le secret. C'est pas moi qui ai la vision, c'est le pasteur qui a la vision. Amen. Amen. C'est pourquoi moi, je ne poussais jamais un homme, une femme à épouser quelqu'un. Je ne prends jamais ses responsabilités. Quelqu'un vient me voir la fois passée. Il dit, pasteur, je veux que tu puisses prier Dieu pour savoir si c'est la femme ou le nom. Va prier tout seul. Amen. 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 Je dis, va prier. Je dis, qui va se marier cette femme? C'est toi ou c'est moi? Oh, c'est moi. Allez, va prier. C'est toi qui veux épouser cette femme-là. Il veut que c'est moi qui puisse prier à ta place. Va demander à Dieu si c'est bien la femme. Maintenant, si c'est elle, tu prends, c'est pas elle, tu prends quoi? Parce que comme ça, moi, je vais prier. Ma soeur, mon frère, Dieu m'a dit cette femme-là. Comme ça, demain, quand ça ne marchera pas, lave les mains. C'est la faute du pasteur. C'est lui qui m'a dit que tout le monde. Amen. Il y a les spirituels. Il y a les spirituels. Mais aussi les physiques. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.